Après avoir réduit l'univers entier en esclavage, l'Empire Lexos et à sa tête le terrible Gloomanshu projette aujourd'hui d'envahir la Terre. Heureusement, Gustave Eiffel, architecte visionnaire, avait tout prévu en construisant en 1889 une tour dont l'alignement des structures reproduit de puissants totems d'exorcisme et protège ainsi notre planète de toute intrusion extraterrestre. Ne pouvant débarquer qu'en petit nombre sur le sol terrien, les Lexos vont désormais tout tenter pour détruire l'œuvre de Monsieur Eiffel. Mais quelqu'un veille sur nous. Gauche, droite, plus vite, plus fort. T'as rien dans le ventre, ma parole. Allez, mais quelle mauviette. À table. Allez, approchez. Hey, on a besoin de toi par ici. Alors les Lexos, on a rien dans le ventre. En combat, on reste concentré. Allez, Ultra, Gamma Blade. Et voilà. Et nos baguettes. Hop là. Équerre en ping. C'est tout ce que vous avez? Dis donc, ils n'ont pas la forme aujourd'hui. Oui, c'est plus que c'était. Encore une victoire pour le grand, le magnifique Albert Dumas. Paris brûle-t-il? La menace s'appelle Sakharal. Ce n'est pas naturel, ça doit cacher quelque chose. Fantastique, il en reste plus un seul. T'as vu ça, Antoine?
Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Nous n'avons plus rien à faire ici. Rentrons à la base. C'est moi ou ils étaient très faibles aujourd'hui? Je sais pas vraiment. Oh, en tout cas, on dirait qu'ils font la grève en ce moment. Je préfère affronter 10 France 5 plutôt que de me retrouver à nouveau sous ses ordres. Ne me dis pas que tu as peur du petit Junior, toi le plus grand guerrier de sa majesté. Alors, War Duke, on s'enrhume. Tu m'as manqué, valet. Moi aussi, maître. Salut, Lu Manchu. Oh, mon père, dont le seul nom fait trembler l'univers. Ah, mon fils, cher de ma chair. Je te retrouve enfin après toutes ces années passées à soumettre des créatures inférieures. Je suis aussi élu que le jour où tu as décapité tes 18 frères. J'ai accouru aussitôt votre appel entendu, père. Mais quel est ce scélérat qui ose tenir tête à l'empereur de l'univers? Mon fils, tu n'es pas sans savoir que nos forces ont diminué sur cette maudite planète. Un escadron de terriens parvient à tenir en échec nos meilleurs soldats. Nos meilleurs soldats. Père, ces stratégies alambiquées n'ont que trop duré. Je propose une éradication pure et simple du problème. La seule manière de détruire cet insolent totem consiste à en contourner les défenses pour en frapper le cœur. Mais nous n'avons pas... Mon fils, je t'en connais bien là. Si je puis me permettre, vous oubliez les France-Faille, monseigneur. Tais-toi, inconsciente. Me contredire, c'est mourir. Bien. Puisque maintenant nous sommes tous d'accord, vous allez vous charger des détails de mon plan infaillible. Quant à moi, je me réserve les France-Faille. Pyrostrum ! Margarine, peux-tu envoyer l'image suivante, s'il te plaît ? Oui, professeur. Et comme vous le voyez, les trois dernières régions qui abritaient encore des bases ont été facilement nettoyées ces derniers jours. Il s'agit d'une victoire flagrante. D'ici à quelques jours, il n'y aura plus aucun Lexos sur la Terre. Cette bonne nouvelle devrait nous réjouir et nous encourager. Mais je pense qu'il s'agit là plutôt de signes alarmants. Bien sûr, il pourrait se replier et frapper plus fort encore. Tout à fait. L'analyse du ciel présente des mouvements inhabituels dans notre système solaire. La possibilité qu'il fasse appel à des renforts n'est pas exclue. Un ennemi aux abois est toujours plus dangereux. Méfiance. Voilà pourquoi je travaille sur des équipements de combat nouvelle génération. Je suis désolé. Je ne sais pas si tout sera prêt à temps. Allons, allons, prof. Une bonne nuit de sommeil, vous serez d'aplomb. On n'a pas combattu jusqu'ici pour abandonner maintenant. On compte sur vous. Il n'y a jamais trop d'armes dans l'arsenal du guerrier. Merci de vos efforts, professeur. Mais prenez soin de vous aussi. Professeur, je vous jure qu'on va tout faire pour que cette guerre prenne fin. Et vite! Alors, c'est un défilé pour qui cette fois? De la lingerie Christian Rabanne. Tu connais? C'est à quelle heure? Dis Jean, tu n'as pas oublié qu'on doit avoir notre attaque ce soir. Je veux des photos! T'inquiète pas Jean, je te ramènerai un catalogue. Et surtout, sois à l'heure demain! Pas de problème, chef.
Soldats, au rapport! Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt! Je suis prête! Bien, lancement d'opération! Compris! Margarine, c'est une attaque Lexos! Alerte au maximum! Bien compris, professeur! Je vous mets en contact immédiatement! Ici Yellow Baguette! Ici Bleu Accordéon! Ici Black Beaujolais! Ici Red Fromage! Que se passe-t-il? État d'urgence! Les Lexos lancent une attaque au point B65! Allez-y sur le champ! Bien compris! Professeur, je n'ai pas réussi à joindre Fink. Il semblerait qu'elle ne puisse répondre à son transmetteur. Catherine. Attention, tenez-vous prêts! Qui a bien pu causer une panique pareille? Un exostrum lâché en pleine ville! Oui, et pas n'importe lequel a priori. On reste en garde. Yellow, tu reconnais l'endroit. Blue, Black, cherchez s'il y a des blessés. Et toi, tu es mort. Voilà donc les France-Pailles. Nier, oui, ce sont eux qui... Et toi, qui es-tu? Je suis Zakaral, prince héritier de l'Empire Lexos. Et accessoirement, votre pire cauchemar. C'est donc ça, les tout-puissants France 5. Ne crie pas avec toi trop vite. France 5, transformation. Red, Fromage, Blue, Accordéon, Yellow, Baguette, Beaujolais! France Page! En garde! Nier, soyez prudent, mais... Il suffit, valet! Je n'ai que trop rarement l'occasion de tuer. Silence! On va se faire repérer. Aïe! Aïe! Ça a pas la tête, non? Bah les pattes! Bouja! Quoi, quand je pense au nombre de fois où je t'ai sauvé la vie, princesse? Il y a toujours quelques cafards pour se faufiler dans les rouages de ma réussite. Tant pis pour eux. Va, Pyrostrum! Et détruis mes ennemis! Hein, mais que fait-il? Je ne sais pas, mais on va s'occuper de lui. En avant! Tu vas voir, toi! Attention! Très bien! Ultra Camembley! Oh! Mais... Vous n'êtes que des rats face au tigre que je suis. Ça va, Antoine? Rien de cassé? Non, ça va, mais il est redoutable. Attaque, défense, il n'a aucune faille. Je ne donne pas cher de nous à ce rythme-là. Vous m'avez assez amusé, les France 5. Adieu. Attention! Attends, moi j'ai trouvé quelque chose ici, alors tu vas m'écouter. Et pourquoi je te croirais?
Arrête, je ne suis pas ton ennemi. Aïe ! Tais-toi, je te déteste. Toi, tes mensonges, ta méchanceté envers Antoine. Mais regarde, c'est moi ! Moi ! Attention ! Aramis ! Ça va ? Je suis désolé, j'espère que je t'ai pas... Ah, c'est rien, tu tapes vraiment comme une mauviette. Quoi ? Mais... Ah, mais tu es bien trop naïf, Antoine. Tu crois que c'est parce que je m'écroule que je suis déjà mort ? Allons. De toute façon, tu sais, j'avais vraiment pas frappé fort. Par contre, avec ça, tu fais fort. Mais, comment t'as... Et je peux savoir ce que tu allais faire avec ce bel objet ? Mais c'est que ça brille, monseigneur. C'est pas du toc, ça, monsieur. Rends-la-moi ! Ça te regarde pas ! Eh, je sais pas si vous avez entendu, mais le repas est prêt. Ben, quoi ? J'ai dit une bêtise ? Qu'est-ce qu'il y a, Antoine ? Ça va ? T'es tout rouge. Bon bah Antoine, je te laisse. Je crois que t'as quelque chose à dire à ma cousine. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Tu pourrais m'expliquer ? Écoute Sophie, il y a longtemps que je voulais t'en parler. Je pense qu'il est temps pour toi et pour moi, si tu veux bien. Oui Antoine. Pauvre France 5 sans défense. Ah, cette fois ! Oui, c'est la fin, tu peux le dire. Dommage que vous ne soyez pas là pour assister à l'explosion de la Tour Eiffel. Impossible ! Aucun Lexos ne peut... Tu sous-estimes notre puissance, misérable humain. À l'heure où je te parle, nous préparons des attaques à partir de points précis qui auront raison de votre totem. Tu parles trop, Valet. Professeur, vous avez entendu ? Que devons-nous faire ? Bien joué, Antoine. Maintenant, il faut trouver les points dont il parle. Margarine, envoie image satellite sur l'écran. Tout de suite, professeur. J'ai trouvé Gourada. Antoine, j'ai réussi à localiser précisément les coordonnées des sites. Essayez de vous y rendre le plus vite possible. Bien compris. Quel plan machiavélique ! Nous n'avons pas le temps d'en discuter. Filez au premier point. Je le retiens. Mais c'est de la folie, c'est... C'est un ordre ! Oh ! C'est trop tard, Fastfire. J'en suis pas si sûr. Tcha! Tcha! Red Flash! Ils se sont enfuis, maître. Mais ne vous inquiétez pas, leurs forces sont diminuées. Imbécile! Je le sais bien. Ce qui me chagrine, c'est que je ne pourrai contempler leur sang sur mes mains. Silver, mousquetaire, transformation. Oh c'est pour ce petit plaisantin qu'on va punir. Ah, mais c'est pas possible, il a bouffé du... Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Est-il ? Non, n'approche pas ! Non ! Tu vas goûter à la fureur de la rose contrariée. Mr. Gatkick, yahoo! Maro, paltoquette. Y a jeté cette crêpe. C'est pas une crêpe, c'est une galette. Je vous sers un café? Oui, un écart. Oups. Et maintenant, attache ta ceinture. Ping. À la mode. Professeur, j'ai
dansant. Mademoiselle, m'accordez-vous cette danse? Avec plaisir. Tourbillon fatal de Cupidon. Impossible. 1, 2, 3. L'amour triomphe toujours. Silver. Silver, je... Ah, trop tard! Nous n'avons plus rien à faire ici. Allons aider tes compagnons, vite! C'est un tir Lexos. Pas de temps à perdre, allons-y! Professeur, nous avons été touchés! Estimation des dégâts! L'ascenseur 3 est en service et les touristes sont coincés. La superstructure est touchée à 30%. Allez, ma vieille, il faut tenir. Regardez! Avec les Lexos, on sait jamais sur quoi on va tomber, mais là... Occupons-nous de cette chose, on verra ensuite. Oui! Haha, Snake Warduk! Heureusement que Sogus est seul, nous arrivons à temps. Maintenant, parle avec lui. Allez détruire ce truc, je le retiens. Oui! Oh, mais je sais ce que vous allez faire. Vous allez commencer à faire vos grands mouvements de bras et me sauter dessus. Je vais alors m'énerver et vous mettre au tapis. Puis, au moment de fléchir, vous allez unir vos forces et me vaincre, une fois de plus. Sauf que là, j'ai pas vraiment le temps, vous voyez? Voilà pourquoi je ne vais pas perdre de temps en échauffement ridicule. Mais, ça y est, il a pété les plombs. Restez sur vos gardes. Voilà pourquoi je vais briser chacun de vos frêles petits os. À la manière Warduk! Ah, si j'avais su! Si j'avais su, j'aurais commencé par là! Tu n'as pas encore tout bu, Warduk! Fais-moi rire, petit gars! Zakaral, tu m'as poursuivi jusqu'ici? Désolée de te décevoir, mais ton adversaire, c'est moi. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que tu comprennes enfin. Notre empire ne peut pas échouer. Et moi, je t'ai fait l'insigne honneur de partager ce triomphe. Mais non, il a fallu que tu me repousses. Petit prétentieux. Je suis un être humain, Ecstasy. Jamais je n'abandonnerai mes frères. Alors c'est non? Tu vas continuer à défendre cette planète perdue et la vermine qui l'habite? Toujours, même si je dois y perdre la vie. Je t'ai laissé une chance, mais ta stupidité te perdra. Je te l'ai déjà dit. Je ne suis pas à vendre. Je n'ai plus le choix. Sois maudit. Ah.
terminer ainsi. Il est déchaîné, on ne pourra pas le vaincre. Laissez-moi, je vais le retenir. Hors de question, ce sera un massacre. Attendez, j'ai compris quelque chose. Lorsqu'il nous a attrapés tout à l'heure, vous n'avez pas senti comme une décharge avant l'impact? Comme si on avait eu le temps d'y penser. Passez en vision spectrographique, vous allez comprendre. Ok. La colère de Wardiouk est ainsi matérialisée. Comme un double qui anticiperait sa rage. Il doit pas vraiment nous aimer. Il n'y a qu'un seul moyen de le vaincre, c'est d'unir nos forces. Ça va être serré, mais on n'a pas le choix. Vous me suivez? Bien compris, tous ensemble. Oh! Au fait, je vous rassure, ça va faire très mal. La botte des trois mousquetaires. Il a reçu de plein fouet toute la rancœur et la douleur qu'il a infligée à ses victimes. Lambert, Hautner, Durandal, le juste châtiment. Yeah! On peut être fiers de nous! Je n'aime pas crier victoire trop vite, mais... Vous êtes vivants! Ah, c'est maintenant que t'arrives, toi! On se faisait du souci! Salut, les gars! Gros morceau, le Wardiouk, hein? Mais qu'est-ce que tu crois? On n'est pas les fillettes! Non! Qu'est-ce que tu fais là, Silver? J'ai une dette envers toi, mais est-ce qu'on peut te faire confiance? Si vous ne me laissez pas le choix... Non, arrêtez! Il est avec nous depuis le début! Il est toujours venu nous sauver à temps! Toujours! Moi, je crois en lui. Et ma sœur! Et lorsqu'il a humilié Antoine! C'est vrai, mais il avait ses raisons. Si vous me faites confiance à moi, vous devez lui faire confiance aussi. J'aimerais bien te croire. Mais qu'il nous explique pourquoi il agit comme ça? Avec mon oncle, le professeur Burgonde, nous mettions au point les premières bases du projet Rouge. C'était avant la toute première attaque Lexus. Sophie, où es-tu? Antoine, où est ma cousine? Où est Sophie? Je ne sais pas. Je vais m'occuper d'eux. Va chercher ma cousine, vite. Compris. Aramis, rien de cassé? Oncle Aristide, juste avait fait la vraie raison. Les extraterrestres ont débarqué. Sophie, attends-moi. J'arrive. Antoine! Sophie! Antoine! Elle correspond à ce que nous recherchons. Emmenez-la! Non! Laisse-la tranquille! Que ces êtres sont faibles! Ma petite Sophie. Je n'ai jamais pardonné à Antoine d'avoir laissé Sophie se faire enlever. Et je me suis lancé à corps perdu à sa recherche, me raccrochant à l'espoir qu'elle était encore en vie. Donc tu connaissais Antoine? Et la fille du professeur? Bouhouhou, que c'est triste! Votre histoire est touchante, mais elle l'est d'autant plus lorsque l'on sait comme moi que c'est contre sa gentille petite Sophie qu'il livre un combat à mort! Et à votre avis, qui va l'emporter? Équipe endommagée à 70%. Antoine, tu es notre dernier espoir. Sophie, elle est vivante! Maudit, comment as-tu osé? Qui aurait cru que je serais le grand vainqueur de ce combat? Ainsi...
Pas de temps à perdre. Il faut rejoindre Antoine. Tu es décidé à en finir, hein ? C'est pas vrai ! Qu'est-ce qui vous prend ? Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? On n'a plus besoin de toi ! Antoine, attends, on a découvert quelque chose ! Tu ferais mieux de te calmer et de m'écouter, imbécile ! Tu frappes mou, et tu ne fais attention à rien. Ça n'a pas changé. Ecstasy n'est pas celle que tu crois ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est la femme que tu aimes ! Celle qu'on nous a enlevée à tous les deux ! Sophie ? Sophie ? C'est toi ? Je n'ai jamais eu le temps de terminer ma demande. Il faut être prêt à agir au cas où. Elle est suffisamment affaiblie pour que le champ Lexos se brise. Mais elle pourrait aussi bien en mourir. Ne parle pas de malheur. Ça va aller, j'en suis sûr. Je ne veux pas te perdre une nouvelle fois, Sophie. Je te pensais morte, disparue à jamais. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Je me battais avec ton souvenir à mes côtés, alors que tu étais devant moi. Imbécile, tu crois que tu peux... Sophie, je t'aime. Va-t'en. Tais-toi. Laisse-moi. Idiote. Laisse-moi. Je veux le revoir. Je veux le revoir. Avec mes propres yeux. L'amour, un sentiment amusant, mais si vain. Les pions sont faits pour être sacrifiés. Meurs. C'est la fin. Bravo, Zacharal. Ton plan était parfait. En avant, sujet. La planète bleue va enfin trembler devant la splendeur de mon être. Sophie, ça va ? Cette fois-ci, fais attention à elle. Aramis ! Aramis ! Non !
cinq couleurs toujours unies. C'est l'arc-en-ciel de la vie. Le soleil étend ses rayons sur Paris. Dans la ville, une voix qui nous appelle. Un sourire, une hirondelle danse dans le ciel. Cinq couleurs, un seul destin. La France au petit matin. Le boulanger a fini de cuire son pain. Le soleil se lève, la belle journée que voici. En avant pour l'aventure, pour ce beau pays. La tour Eiffel est si belle, belle quand on est près d'elle. Avance droit devant toi et ne te retourne pas. Deviens un bel oiseau, pose-toi là tout là-haut. Toujours plus haut. Toujours plus haut. Oh, 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 oh. Toujours plus haut. La tour Eiffel est fragile, un colosse au pied d'argile. Que t'emporte le vent au-delà des océans. Deviens un grand oiseau. Les France Files sont en déroute. Silver est à terre. Et la tour Eiffel détruite, défaite, déboulonnée, réduite à un tas de métal tordu et grotesque. La capitale française et ses touristes sont désormais sans défense face aux troupes enragées du cruel Zakaral. Paris outragé. Paris brisé. Paris martyrisé. Paris, nouvelle capitale de l'Empire Lexos. Prochain épisode, adieu France Five. Le jour de gloire est arrivé.